et c'est un vidéo test de Oliver Plasma et de Fireflav. Yeah, bienvenue à tous. Et c'est un vidéo test pour Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Le meilleur de Tenkaichi. Et oui, et même c'est le meilleur Dragon Ball Z. Oliver Plasma va commencer par vous faire un duel en solo. Un scénario. Ah bon? Si on veut, il y a plusieurs choix de difficultés. On a facile, normal et difficile. Bon, là, j'ai laissé les voix en américaine, mais en vrai, je trouve ça horrible. Alors. Nous allons prendre quelle saga? Bon, il y a différentes sagas, il y en a pas mal. Il y en a vraiment pas mal. Mais la durée de vie est quand même assez rapide par rapport à Budokai Tenkaichi 2, qui a été vraiment beaucoup plus long que celui-là. Là, en gros, on va faire Freezer. J'aime bien l'épisode où on contrôle Freezer. Oliver, le mode histoire est long alors? Il est quand même assez long, oui. Mais il est beaucoup moins long que le mode histoire dans Budokai Tenkaichi 2, qu'on pourrait peut-être faire. Alors, le Tenkaichi 3, qui est, on va dire, le dernier Dragon Ball en liste dans la rubrique jeux vidéo, n'est-ce pas, Oliver? Non, après, il y a eu aussi des Burst Limit et des trucs comme ça, mais... Oui, mais ça reste le... Le meilleur Dragon Ball Z, oui. Voilà. C'est le Dragon Ball Z le plus vif, on va dire. Vous voyez, il n'y a pas de temps où ça rame. C'est super fluide et c'est très rapide. Oliver, est-ce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés au niveau graphisme, au niveau jouabilité depuis le Tenkaichi 2? Il y en a eu un peu, mais les graphismes des personnages ont été évolués, ils ont été un peu mieux. Un peu plus affiné, on va dire. Plus affiné, oui, puisque ça a été après fait sur les consoles HD. Mais c'était quand même un peu pourri pour une console on HD. On rappelle qu'on est sur GameCube. Non, on est sur Wii. Sur Wii, pardon. Mais ce jeu est aussi sorti sur GameCube, n'est-ce pas, Oliver? Non. Il est sorti sur PS2. Ah oui, sur PS2. Je m'y rappelle avoir joué à ce jeu dans ma jeunesse. Eh oui, on l'avait fait. On l'avait déjà fait, oui. Sur PS2. Les graphismes étaient un peu moins bien faits sur PS2, mais... Eh oui, sur Wii, c'est un peu plus affiné. On retrouve bien sûr le style du manga Dragon Ball, toujours aussi bien respecté. Est-ce qu'il y a plus de personnages cette année, Oliver? Bah, là, il y a 126 personnages en tout. C'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de personnages avec toutes les transformations. Bon, là j'ai du mal parce que en difficile, Vegeta est vraiment dur. Même en normal aussi. Bon, on passe les cinématiques qui sont très longues. Mais on aime bien parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la baston. Que dans Budokai Tenkaichi 2, il n'y a pas grand chose. Il y a juste une petite cinématique d'intro au début, mais après, eh ben, on fait le combat. Que là, il parle en même temps pendant le combat, ça fait vraiment durer le plaisir du combat. Est-ce que j'ai compris, Oliver, il n'y a pas autant que ça d'innovation dans ce Tenkaichi 3? Si, on est plutôt pas mal quand même. Le truc plus récent, enfin mieux dans le Tenkaichi 3 par rapport aux deux, c'est qu'ils parlent pendant les combats, je vous l'ai déjà dit. Ils racontent l'histoire pendant les combats. Ils racontent leur petite vie. Eh oui. Très intéressant. Alors, ils disent en gros, je vais te détruire la gueule ou des trucs comme ça. Ah ouais, très vulgaire. Est-ce que je pourrais raconter la mienne? Ma vie, je veux dire, Oliver. Oui, si vous voulez, Firefly. Ce matin, je me suis levé, je me suis brossé les dents, j'ai été aux chiottes, entre parenthèses. Et puis, j'ai regardé la télé. Devinez ce que j'ai regardé à la télé, Oliver? Dragon Ball Z. Non, j'ai regardé Dora l'exploratrice sur TF1. Waouh, tu n'as pas regardé American Pie? Oh, si, ça m'arrive, mais c'est pour les soirées enchantées, ça. Enfin, petite parenthèse fermée, nous sommes toujours sur Dragon Ball Z Tenkaichi 3. Oh! Et avec toujours cette petite phase de... De bras de fer. De QCM. De QTE, oui, mais QTE, en bras de fer. Ça s'appelle des bras de fer dans Dragon Ball Z. Quelques innovations dans ce Tenkaichi 3. Il y a quelques attaques en plus par rapport aux deux. Il y a quelques attaques en plus. Quelques nouveaux coups. Mais ça reste un très bon Tenkaichi. Le Tenkaichi ultime, n'est-ce pas, Oliver? Oui. C'est le dernier Tenkaichi. Peut-être qu'ils vont faire un quatrième, hein, peut-être, je sais pas. Et après ce combat, on fera peut-être un combat à deux, Oliver, n'est-ce pas? Oui. Où j'espère reprendre du poil de la bête. Piccolo, le beau gosse de l'année. Piccolo, il picole ou quoi?
Il picole. Eh oui, il picole comme on l'a dit dans Budokai 1. Eh, vous vous rappelez, Oliver? Ah oui, c'était moi qui l'avais dit en même temps. On peut aussi beaucoup se téléporter, ça c'est pas mal. Bah, comme dans le 2. Oui, c'est pareil. Mais j'ai l'impression qu'on se téléporte plus facilement dans le 3. Y a-t-il plus de personnages, plus d'arènes, Oliver? On aimerait savoir. Dans le 3, il y a plus d'arènes que dans le 2, mais les personnages, il y a le même nombre à peu près. Bah, il y a juste quelques transformations en plus dans le 3. Mais pas beaucoup, beaucoup. Le point faible dans le jeu, c'est que on n'a pas besoin de débloquer tout de suite des personnages, car là, en fait, on n'a presque rien fait sur cette Wii. On n'a pas débloqué grand-chose. Et pourtant, on a déjà tous les personnages, presque tous les persos. Je trouve que, franchement, on a tous les persos, mais dès le départ, c'est un peu pourri. C'est mieux quand on se fait chier à essayer d'avoir les persos. Que de les avoir dès le départ, c'est un peu... Oui. Facile. Un peu trop facile pour des mecs comme moi, Firefly par exemple. Des mecs qui aiment les défis. Eh oui. Et aussi... Mais il y a aussi dedans plusieurs modes de jeu qu'on vous montrera après cette baston. Et donc, Oliver, il y a plusieurs modes de jeu qui se sont ajoutés dans Tekkenchi 3. Oui. Mais il y a un mode de jeu qui a été enlevé par rapport aux deux. Mais là, ils ont rajouté un autre. Est-ce que ces modes de jeu sont vraiment bénéfiques à Tekkenchi? Ils sont pas mal, oui. Ils rajoutent un peu de durée de vie, donc. Oui. C'est même un tout petit mode histoire qu'on peut faire, qu'on peut inventer nous-mêmes dans ce mode. Car c'est nous-mêmes, on peut aussi créer des... On peut créer des personnages, des super guerriers, mais je n'ai pas encore réussi, il faut faire un code. Mais la plupart des codes sur internet sont un peu fous. Eh oui, il y a plein de conneries sur internet. Ouais, bah jeuxvideo.com par exemple disent plein de conneries. Eh oui, jeuxvideo.com, n'allez pas sur ce site, venez voir notre chaîne, c'est mieux. Et bien sûr, Oliver, au niveau de la bande-son, maintenant, il y a les voix américaines. Ouais, c'est horrible. Même dans la saison... Même dans l'autre Budokai Tenkaichi, le 2, eh ben, il y avait aussi les voix américaines. Mais les voix japonaises nous remettent un peu plus dans l'ambiance oui. De Dragon Ball. Et ouais. Heureusement qu'on peut mettre les voix japonaises. Autrement, ça vaut même pas le coup d'acheter Dragon Ball. Les voix américaines sont horribles. Bon, à part Freezer qui est plutôt assez bien. On va dire qu'elles sont faits à la va-vite. Ouais, et en plus, ils sont assez mal. Assez mal doublés. Et je trouve que la voix de Piccolo est assez horrible en voix américaine. Mais il y a pire, il y a la voix de Vegeta qui est, mais horriblement horrible. Ok. Et je vois que l'IA, vous êtes en mode quoi là, Oliver? En normal, je crois. Ah oui, l'IA est quand même assez compliquée en normal déjà. Bah l'IA, ça doit pas trop changer depuis les Tekkenchi. Oui, mais l'IA dans les Tekkenchi est vraiment très bien poussée par rapport au Budokai. Eh oui. Alors vous l'avez bien compris, l'IA a fait un bond en avant au niveau quand on est passé du Budokai au Tekkenchi, mais là on est bien sûr au Tekkenchi ultime, le Tekkenchi 3. Et on pourra faire aussi le Tenkaichi 2. Oui, plus tard. Plus tard. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est assez original ce qu'on fait. On ne fait jamais les jeux dans l'ordre. Eh oui, c'est dans le désordre. C'est comme le cerveau et Oliver Plasma, il est dans le désordre. Merci de me le rappeler, Fireflab. C'est tout naturel. Alors, est-ce qu'on pourrait quitter pour faire voir les différents nouveaux modes de jeu de Tekkenchi 3, Oliver? Le niveau est bientôt fini. Soyez patient. Haussez votre niveau à la hauteur de votre adversaire, Oliver. Il n'a pas envie de mourir, le petit gamin. Eh oui. Ah oui, Sangwan qui est un gamin assez fort. On l'a pas rappelé, mais en quelle année est sorti Tekkenchi 3, Oliver? En 2007. 2007? Oh yeah, c'est assez vieux. Eh ouais, en 2007, j'avais 11 ans.
T'es un petit gamin, quoi. Et, oui. Et je ne pouvais pas encore jouer à Tekkenchi 3, parce que Tekkenchi 3 est interdit aux moins de 12 ans, tout simplement. Et ouais. Enfin, moi, je l'avais eu en 2008, le jeu. Donc ça fait un moment que je l'ai. Je me protège. Mais dans le Budokai Tenkaichi 2, il y a un truc qui est mieux que dans le 3, c'est qu'au moins on n'a pas tous les persos dès le départ. Il y en a pas mal qui ne sont pas encore déverrouillés. Eh oui, on a une meilleure estime de soi quand on les débloque soi-même. Mais le choix dans ce Dragon Ball Z là, de personnages, est vraiment très très impressionnant, on vous le redit. C'est le jeu de combat le plus amusant du monde. Le plus complet aussi. Il y a vraiment énormément de personnages. Attendez que je regarde sur le boîtier. Et aussi, il y a aussi plus d'une centaine de techniques à faire. Et vous voulez savoir, je les connais même pas encore tous. Dans Tekkenchi 3, il y a plus de 160 personnages et plus de 30 arènes. Ce qui montre la durée de vie exceptionnelle de ce jeu. Non, et en vrai, il a 126 persos, non ? Non, plus de 130. Oliver. Ah oui, donc j'ai confondu avec le 2. Dans le 2, c'est 126. Ce qui montre qu'il y a des bonnes choses dans ce Tekkenchi 3 et qu'il y a eu quelques bonnes innovations. La plupart des jeux de combat, il n'y a que 35 persos ou des trucs comme ça. Il y en a 60 maximum. Donc dans celui-là, ils ont vraiment explosé le record. Une fois que vous avez battu ce mec-là, Vegeta, vous avez fini. Et oui, KO. Et on va montrer tout de suite les différents modes de jeu, si vous voulez bien, Oliver. Oui, les différents modes de jeu de ce magnifique jeu, qui a été un jeu que j'ai vraiment aimé. Eh ouais. Et que j'aime toujours d'ailleurs. On aime toujours avec Oliver. Eh oui, on aime toujours. Si vous aussi vous aimez Oliver Plasma, venez voir sur sa page Facebook Oliver Plasma. N'importe quoi. Il y a plus de 300 j'aime pour un gars qui en vaut vraiment le coup. Et on va voir un peu les différents nouveaux modes de jeu de ce Tekkenchi 3, Oliver. Oui, donc il y a le tour du monde, ça c'est le tournoi du monde, pour faire un tournoi contre l'ordinateur ou avec des potes. Oui, on va pas y jouer parce qu'on doit jouer à deux, à part Oliver. On doit jouer à deux, ça aussi, mais bon. Il y a le mode duel, c'est tout con, c'est juste des duels. On peut faire des duels par équipe ou en solo, un contre un. Là, le combat en réseau, ça c'est le nouveau truc, on peut pas avoir ça sur PS2. Eh oui, grande innovation de ce Tekkenchi 3, on peut jouer maintenant en réseau. Oui, sur Wii, on peut jouer en réseau, mais c'est un peu pourri quand même. La connexion est vraiment pourrie. Notons que c'est néanmoins une bonne évolution. Oui. Et Evolution Z, justement, Oliver. Et oui, Evolution Z, c'est pour mettre des équipements sur votre perso, pour avoir une plus grande barre de vie, par exemple. Oui. Ou avoir une meilleure attaque, ou une meilleure défense. L'entraînement, c'est l'entraînement. Okay. Et ça t'explique toutes les touches, presque. Donner, ça c'est pour entrer un mot de passe pour invoquer un grand guerrier. Et oui. C'est ce que je vous en ai parlé avant, mais j'ai jamais réussi. Bio-personnage, ça c'est toutes les informations sur le personnage. Par exemple, Sangoku, ils disent tout ce qu'il a fait dans sa jeunesse. Oui. La vie, quoi. Oui, ça raconte un peu toute la série, quoi. C'est un super contenu, ce que vous nous racontez, Oliver. Et l'option ça, l'option, c'est tout simplement l'option pour changer les paramètres. Scénario, on a déjà et fait. On va faire un... Et c'est ça, le truc qui a été remplacé par rapport au Budokai Tenkaichi 2, le combat ultime. Le combat ultime qui comporte deux trucs. Dragon Sim, ça c'est pour faire un peu la vie de ton personnage. Mission 100, ça c'est plusieurs missions, mais je crois pas qu'il y en a 100. En tout cas, pour l'instant, je n'ai bloqué que ça. Ok. Et on va faire un duel à deux, Oliver. C'est si des missions de perso assez forts. La survie, il n'y en a que 3. Mais c'est quand même pas mal parce qu'on combat 50 persos. Mais tu restes à avoir le même perso à chaque fois pendant les 50 persos que tu combats. Donc c'est vraiment dur. C'est pas des modes de jeu qui servent à rien alors. C'est vraiment des bons modes de jeu. Allez, on va faire un petit duel entre Fireflav et Oliver Plasma. Yeah. C'est parti. Combat par équipe.
Et oui, on va prendre 5 personnages chacun, c'est ça quoi. On va prendre au pif, c'est ça? Eh oui, au pif, car on est très audacieux, moi et Oliver. J'espère récolter papy. En tout cas, j'ai des bons personnages. Pour l'instant, j'ai Boo et le Saint-Pangé. Et le dernier perso au hasard, qui sera-t-il? Mesdames et messieurs, Firefly vos commandes. Mais je vais pas le prendre au hasard, car papy mérite de combattre en direct. Eh oui, c'est le personnage préféré de Firefly. Je sais que ça peut faire peur, mais c'est sexy. Si vous voyez l'évolution de papy, enlevez votre maillot, il est sexy. Il y a vraiment beaucoup de niveaux, hein, de choix de niveau. Bon, on va prendre celui-là parce que je l'aime bien. Ça, c'est quand on est au-dessus de la planète Vegeta, la planète des Saiyans. Alors, est-ce que vous croyez que c'est Oliver Plasma qui va gagner? Ou le grand Fireflav? Mettez un commentaire pour voir qui c'est qui va gagner. Vous êtes pour Fireflav ou Oliver Plasma? Moi, je suis pour moi. Ouais, moi, je suis pour moi, normal. Alors, j'avais même pas ma manette dans les mains que Oliver m'attaquait déjà. C'est un gros lâche. Alors, quel personnage je suis déjà? Ah oui, je suis. Ah oui, le bras de fer avec une boule d'énergie. Et je m'excite comme un malade. Et j'ai gagné. C'est un des nombreux QTE. Il n'y en a pas tout le temps des QTE non plus. C'est juste pour ça. Et aussi, on vous a pas montré une autre sorte de QTE. Que je n'arrive pas à faire d'ailleurs. On le fait qu'en mode aventure, je pense, oui. C'est quand on les voit se bastonner n'importe où et on doit appuyer sur n'importe quel bouton. Enfin, sur un bouton, le bouton qu'il vous dit. Avant que l'autre le fasse. Sinon, c'est foutu. Et on peut voir que je galère un peu, mais que je viens d'avoir Oliver Plasma là. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'Oliver Plasma a pris un personnage qui lui ressemble. Merci. C'est vrai qu'il est beau gosse. Par contre, ce personnage ne me ressemble pas. Ah si, il a une petite touche de ressemblance de Fireflav, sauf que Fireflav n'est pas chaud. Mais encore. Il a la même tête que Fireflav. Kamehameha original. Il a aussi la même barbe. Eh oui, depuis quelques temps, je me laisse pousser la barbe. Vous pourrez voir sur notre prochaine vidéo où je vous ferai un petit striptease. Vous avez vu un peu la classe de papy? Papy fait son handicap. Papy fait son handicapé. Alors est-ce que je vais réussir à transformer papy? Et voilà la transformation ultime de papy. Un mec sexy, papy. Sans complexe. Comme moi. Comme vous venez de voir, je viens juste d'esquiver son Kamehameha avec une téléportation. C'est assez efficace parce qu'on peut l'attaquer par surprise après. Bon, par contre, il m'énerve avec ses boules de feu. Les boules Kikoko-A, un truc du genre. C'est bizarre, oui, le japonais. Et Fireflav va nous montrer aussi quelques attaques qui va dire à voix haute, hein, Fireflav. Quelles attaques, Oliver? Ah oui, je vois, laissez-moi faire mon attaque. Laissez-moi faire mon attaque, Oliver. Ce n'est pas avec lui qu'il a des attaques bizarres. Il n'est que le Kamehameha. Ah oui. Il faut mais faire avec suis... quelqu'un qui a une... Voilà, je... le singe. Non, c'est pas singe, non. Non. J'avais cru. Non, c'est moi qui ai le singe. Un tornado. La classe. Attention. Et il a une auréole au-dessus de la tête. Ça m'étonnerait que ce soit un ange, n'est-ce pas, Oliver? Non, c'est juste qu'il est mort. Ah, okay. Et qu'il est au paradis. Il est au paradis. En le train paradis. De... Le paradis du sexe, mesdames et messieurs. En train de se moquer des gars qui sont en enfer. Et comme par hasard, celui qui est en enfer, c'est Freezer, Cell, bon, tous les méchants, quoi. Et Boubou. Et si vous nous rejoignez en cours de vidéo, et bah sachez que à gauche c'est Oliver Plasma et à droite c'est Fireflav. Et ça se voit. Oui, ça se voit tout de suite. Ne soyez pas trop chambreur, Oliver. Je vous connais bien.
suis toujours le même perso depuis tout à l'heure. Depuis un moment, il n'arrive toujours pas à tuer mon personnage. Bouh. Et je pense que le mien est tombé. Dans les pommes. Et ouais. Et par c'est contre, parti là, pour le petit gamin qui a plein de ressources, de potentiel. Et oui, c'est bien sûr Sangwan, un personnage que je n'aime pas trop d'ailleurs. Et voilà, j'ai tué Oliver Plasma, je suis un gros boss, pas la peine de m'en rendre. Waouh, un gorille qui se déguise en petit. Ah, c'était l'attaque, Oliver. C'était l'attaque qui fait mal. Bon, mon gorille prend presque toute la place de l'écran, mais bon. Et okay. C'est un gorille avec un string rose. Eh oui. Ça a son style, Oliver. C'est parce que c'est une fille qui est transformée en gorille. J'ai l'impression que je vais déjà mourir. C'est une fille Saiyan. C'est, je pense, la femme de Vegeta. Et voici donc... Piccolo. Non, c'est la femme de Song... du père de Son Goku, Bardock. Si vous connaissez pas Piccolo, eh ben je suis avec Piccolo, là. Piccolo, il picole. Piccolo, il picole. Merci piccolo, pour la chanson, Oliver, mais vous chantez très mal. Yeah. Il picole comme un dieu. Et il peut même se transformer en Piccolo dieu. C'est sa transformation. On dirait que mon gorille est fâché. Il a marre de Piccolo parce qu'il picole beaucoup et le gorille, il aime pas ça, voir quelqu'un picoler. Eh oui. Ça lui donne envie de picoler. Et puis, c'est pour la santé, Oliver. Munchako Choco. Non, j'ai même pas lu le truc. Merci pour la traduction, mais elle est mauvaise. Quelle classe. Regarde-moi ça. C'est une belle femme. Elle est sexy quand elle bouge. Eh oui, j'aimerais en avoir une comme ça dans mon lit, même si elle rentre pas dedans. Non. Et on voit directement que le personnage d'Oliver Plasma est beaucoup plus puissant. Onde maléfique. Attention. Je suis aussi maléfique que mes attaques, Oliver. Faut le savoir. Barrage Kshukama Kuku. Oui, on dirait que c'est vraiment bizarre, mais c'est du japonais. Le japonais reste très bizarre. Mais par contre, ils ont des belles voix. C'est pour ça que je préfère la version japonaise par rapport à la version américaine. Tiens, j'avais fait ma première super attaque de ma vie. Non, tu as déjà beaucoup fait aussi, non, de maléfique. Oui, mais ma première super attaque, Oliver. Ah, l'attaque ultime. Notre très chère attaque ultime. Si vous voulez voir la phase ultime de Oliver Plasma, ça ne vaut pas le coup de la voir. Et voilà tout, et on va refermer ce vidéo test de Tekkenchi 3 avec quelle note, Oliver ? Avec une belle note, graphiquement, on va dire que c'est passable, c'est même très beau pour un Dragon Ball Z sur PS. Ça a été même un peu affiné sur, Wii. Sur Tekkenchi. Oui, sur Wii, ça a été affiné. Et par rapport à la version PS2, mais la version PS2 était déjà très belle. Donc on va lui mettre un 16 sur 20 pour les graphismes. Au niveau du gameplay, ça ressemble un peu au Tekkenchi 2, il n'y a pas eu beaucoup d'innovations. Oui, mais on met quand même à 18 parce que c'est vraiment le gameplay est vraiment exceptionnel pour un jeu de combat surtout. Et la durée de vie, à mon avis, il y a eu des rajouts et c'est une superbe durée de vie. La durée de vie par rapport aux deux est moins bien, mais elle est quand même assez intéressante. Donc on mettrait 15 sur 20 pour la durée de vie. Et bien sûr pour la bande son, toujours aussi exceptionnelle, Oliver. La bande son. Alors la bande son n'a pas été très très exceptionnel quand même quelquefois dans le 2. Le 2 a eu une bande-son à chier un peu. Mais le 3 est quand même pas mal par contre. Le 3 est plus basé sur le rock'n'roll que le 2 est basé sur le jazz. Donc c'est pas terrible. Et bien sûr on aurait peut-être oublié le scénario du mode histoire, Oliver. Comment le trouvez-vous? Le scénario du mode histoire respecte très bien le scénario de Dragon Ball Z, je trouve. Ok, et on va s'arrêter sur une note générale de... Une note générale de 18 sur 20. Oh, pas mal. Eh ouais. Ça fait vraiment du bien d'entendre, du bien de faire des vidéos tests aussi réussis, de jeux aussi réussis, et de co-commentateurs aussi réussis. Oui. Oliver, passe-moi vous nous donner le mot de la fin. À la revoyure.
pour de nouvelles aventures. Avec Fireflame qui pète.